Si le gouvernement haïtien, tout vous, monsieur Do, l'association nationale médias haïtiens, décidé de participer dans le lavage à de salsa que a fait en le pays d'Haïti. PM Ariel Henry lance le processus électoral. Il commence à inviter diverses associations à participer dans le processus mettre sous pied conseil électoral provisoire. Ça n'a pas même pris temps pour une lettre invitation à l'association nationale des médias haïtiens, voyez jeter bien loin qualité. Idée ça que PM Ariel Henry ta gagné dans tête li pour organiser élection dans pays d'Haïti ensemble avec situation sécuritaire si là ensemble nous prenons le temps de déclaration Jacques Sans Peur un membre association nationale média haïtien. Mesdames et messieurs, juge Jean-Wilner Morin, après les fin arrivé fait mettre en bas code, actuel DG Caisse Assistance Sociale là, Edwin Toto, lui décide de mettre un mandat d'amener après ancien directeur général la France Ideris et actuelle administratrice là qui c'est Joanne. Qui ça qui a passé exactement? Nous raconte tout détail, dans un petit temps qui pas trop long. Ensemble d'associations patronales, mettez voyons ensemble pour demander partis politiques qui sont capables de signer accord 21 décembre 2022, à qui, selon eux-mêmes, c'est le seul moyen pour nous capables de retirer le pays d'Haïti dans sa lié à la. Ensemble, nous prenons communiquer de presse que l'association patronale là lui-même est arrivée, mettez dehors. Dans une conférence pour la presse, ancien sénateur Niplan Nenel Kassi prend position sur l'organisation élection en pays d'Haïti. Ensemble, nous prenons le temps des déclarations. Dans Miragouane, yon confite rien, arrivé mette de ménager 6 moun, dont yon policier ensemble avec ancien greffier en chef, paquet Miragouane. Nous prenons le temps de qui j'en situation lui-même, li te déroulé par bon côté pâle. Jean-Victor Généus, à travers réunion qui t'a faite dans Nations Unies, déclaré que toutefois, pays d'Haïti besoin aide communauté internationale là, pour être capable de sortir dans situation ça que lié à la. Nous gagnons tout ministre Affaires étrangères République dominicaine Roberto Alvarez qui trouvait dans l'inquiétude face ensemble avec Flo de sécurité qui a fait rage dans le pays d'Haïti. C'est tout. Information ça avec diverses lots qui prennent fait essentiel actualité nous jeudi. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur plateforme Paola. Non pas moi, c'est Fabiola Jochol. Et c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou ensemble avec rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite une famille ou un ami ou abonné à la plateforme si là. Puis capable toujours être connecté avec bon information. Formation. Jeudi à ce jeudi 27 avril 2023. Mesdames et messieurs, la situation sécuritaire en Haïti est actuellement dégradante. C'est ça que fait, dans le moment où on a parlé à la, diverses partis politiques n'ont pas décidé de signer accord 21 décembre 2022. Comme quoi, c'est celle-même qui est capable de permettre pays d'Haïti sortir dans sa liée à la. Avec pile invitation que PM Ariel Henry lui-même l'a voyé par-ci par-là, il t'a adressé une lettre d'invitation ensemble avec Association nationale des médias haïtiens. Nous gagnons Jacques Sopper qui fait partie de l'association SILA qui a expliqué pour qui raison exactement il n'a pas décidé de participer dans le conseil électoral provisoire. Ensemble, mesdames et messieurs, Jacques Sopper. Voyez tout ça. Et là, c'est à l'époque là, le grand problème. Parce que nous, d'accord, nous approchons, nous, même si nous pas approchons nous à 100% de la Constitution, mais nous faisons des efforts pour nous approcher de la Constitution. Et là, c'est un moyen, et nous adorons ça, que propice pour nous montrer que nous voulons approcher de la Constitution, c'est-à-dire que chaque secteur voyait le monde, et que c'est lui-même qui formait CEPA. Maintenant, l'autre barre qui arrivait, il y a une insécurité. Nous pas dit comme ça que c'est à cause de Bobby Denis que nous voilà tous. Et il y a une goutte qui renverse les vases à longtemps. Il y a un journaliste qui manque de mourir, c'est comme même Robertson Alphonse, c'est mon Dieu qui sauve. Vous voyez, nous avons un journaliste qui a kidnappé, il a kidnappé Marie, si c'est femme, il a kidnappé journaliste, juste journaliste. Et qu'on y a un gens qui pas arrêté la caillou. Hier encore, Debussy, nous avons un membre à NMAS
fin la rue parce que les bandits prennent zone. Ça veut dire que bon sécurité. Maintenant, on a l'idée tout que il y a un contrôle sécurité. Maintenant, comment penser à normaliser un état, un gouvernement qui n'a pas de pouvoir pour la sécurité, ce qui est basique. Alors là, nous sommes livrés à nous-mêmes. Et en tant qu'institution, nous dit, écoutez, bon, pouvez nous velléiter qu'on sécurité, laissez-nous avancer sur l'institution. Là, même la police, ils sont forces de l'ordre, répressives, légales, victimes. Comme un rapport à près de 21 policiers mourir en bas de bandit. Vous comprenez, la police pas qu'à protéger vous. Vous voyez tout ça, il y a un flou et un flou grandissant que nous pensons qu'en tant qu'institution leader, il faut que nous disions le mot qu'il faut pour nous pas marcher et à partir en fait, d'idées de suivisme, pour nous marcher à partir d'idées claires, pour éclairer le monde, pour nous dire d'abord, bombe essentiel là, bombe sécurité basique de pouvoir. Et puis là, ça n'a pas marché, même quand il y a des failles, même quand il y a des inconvénients, n'a pas marché pour nous capables d'arriver vers un pays à l'ordre constitutionnel, vers un pays à l'état de droit. Voyez. Donc c'est argumentaire ça, par rapport à la sécurité, qui fait que nous dit que faire élection aujourd'hui est irréaliste. L'irréaliste, écoutez, nous ne sommes pas capables de faire la politique de l'autruche comme si nous ne parlions pas de la pour nous avancer. On n'avance pas, on s'enfonce. Panel magique, on s'enfonce. Nous sommes en train de creuser, nous creusons. Le bout de la tunnel, et le bout du tunnel n'est pas là. Nous ne parlons pas éclairci, il n'y a rien. Bon, nous éclairci. Bon semblant d'éclaircie, n'a pas marché. Nous sommes dans le tunnel profond et nous enfonçons davantage. C'est là le problème. 20 mois après, est-ce que vous pensez que M. Henry, gouvernement, a amené nous dans le tunnel ça pour aller vers les élections ou pas? Écoutez, dans la correspondance, nous dit comme ça que. Et lui qui a l'impression que le gouvernement n'a pas contrôlé la sécurité. Et ce qui est essentiel à un gouvernement, c'est le premier bagage qu'on fait, c'est rétablir l'ordre et faire connaître que c'est vous qui avez dirigé. Faire connaître que je suis marché dans le monde. Faire connaître que je suis marché, je suis parlé. Et tout ça, vous garantissez tout ça. Je n'ai pas besoin de job, non. Vous garantissez tout ça. C'est ça qui est votre pouvoir, votre autorité de l'État. Et si que ou pas capable. Et si qu'on était dans position secteur, ou était c'était tout capable pour pouvoir seulement là ou pas diriger pour tout le monde. Parce que nous-mêmes nous sommes livrés à nous-mêmes. Et c'est constatable ce bagage que nous ouais, c'est pas vous dire que l'avez inventé. Nous sommes livrés. Et c'est pas livré à nous-mêmes pour à faire manger. Livré à nous-mêmes pour à faire l'école. Ce n'est pas livré à nous-mêmes pour faire travail. C'est livré à nous-mêmes pour faire la vie. Ils ont entrepris la caille, nous. Ils ont fait quitter la caille, nous, pour un quartier, nous. Vous voyez, la police fait des efforts, ça, on dit ça. Mais la police est victime, elle aussi. C'est un problème. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Jacques Sapeur de l'Association nationale des médias haïtiens qui t'a baillé raison pour laquelle y'a pas décidé de participer dans le processus électoral ensemble avec le gouvernement que dirige le PM Ariel Henry. Alors que PM Ariel Henry t'a demandé pour envoyer deux représentants dans le conseil électoral provisoire. Dossier caisse assistance sociale. Mandat d'amener contre ancien directeur caisse qui c'est France Ideris, ensemble avec actuelle administratrice là, Joanne. Pour la première fois de l'histoire d'Haïti, mesdames et messieurs, je vous rappelle que yon mette yon directrice générale en fonction en bas code pour corruption. Et yon pral mette en bas code tout administratrice caisse là.
Donc nous capable comprendre que ces 7 dernières années dans caisse assistance sociale là moun sa yo même yo pas gagné tout bon vrai yo t'ap assisté. Edwin Toto gagné un chèque 2 millions de gourdes nan mel côté 600 000 gourdes c'est pour le manger. Li gagne 225 000 gourdes pour le mettre gaz dans machine ni et li gagne plusieurs millions de gourdes encore pour capable mettre carte sous téléphone ni. Mais moun y a assisté nan gouvernement. Mais qui est-ce que caisse assistance sociale là lui-même li a assisté Edwin Toton, l'a assisté famille Edwin Toton. 600 millions de gourdes par mois pour directrice générale manger. Alors que population 48.50% a subi ça nous capable reler yon fait chronique. Yon fait chronique qui veut dire que yon pas capable manger même yon pi par jour. Donc gougou a pété côte yo. Oui, alors que yon te supposé recevoir des assistances dans le gouvernement à travers caisse assistance sociale là. Donc Edwin Toton dans moment là, il a cuisiné dans pénitencier national parce que faut qu'il réponde question, faut qu'il bay qui est qui a liel, qui quantité quoi qu'on dépenser pour qu'il ça gagne plus de 70 millions de gourdes qui disparaissent dans caisse assistance sociale sans que nous pas assister pièce moun en difficulté. Dans un pays côté à chaque mois gagne un quantité moun qui courir quitter la caillou pour bandi. OK? Dema 24, dans mois qui sont passé yo. Gagné plus passé 3000 moun qui quitté la caillou. Babelé, Cité Soleil, La Plaine, Martissan, Torcel, Pétionville, Onaville. Tout moun a couru quitter la caillou. Sous ce matelas, de caisse assistance sociale là, qui responsabilité exactement ou gagné par rapport ensemble avec population hein? Donc, est-ce que Edwin Toton t'a réalisé que t'as gagné une mission envers le peuple? Par contre, outendez, nous avons une économie qui a tout fait. Nous avons une économie qui est censée pas exister. Quand toute l'argent s'est sorti, il y a un million de gourdes chaque mois pour les effets personnels, madame, non? Plus quand l'argent l'a touché encore. Chaque mois. Donc, pendant 12 mois, qu'est-ce que ça mettait dehors 12 millions de gourdes? Pour un seul green moon. Et puis nous disons que le pays d'Haïti lui-même, il y a un problème l'argent, pas vrai? En tout cas, pas de problème. Puis devant, mesdames et messieurs, nous gagnons l'association patronale qui demande pour parti politique capable de participer dans le processus conseil électoral provisoire et arriver à mettre sous côté toute divergence yon ensemble avec l'État haïtien afin pour gérer la crise. C'est celle à quoi si là, capable de prendre responsabilité ça. Dans le moment où on a parlé à la pays d'Haïti, on a descente non en fait. Côté, il y a un paquet sans scrupules, il y a un paquet remet pouvoir, il y a un paquet cocorate politique qui a dirigé le pays. Il y a une anarchie bien organisée, mesdames et messieurs, il y a un néopotisme. Donc, nous sommes capables de comprendre. Anarchie ça qui gagne jodi a la côté pa gen rien qui fonctionnel en dans pays a c'est faute l'état haïtien. Nous capable comprendre mesdames et messieurs que le fait sous baquette grand monde qui a dirigé pays a et bien li bay problème je jodi a la li vraiment important pour nous capable camper prendre responsabilité nous correctement. Jean te annonce nous déjà mesdames et messieurs gen ancien sénateur Niplan Nenel Kassi qui prend position sous question organisation des élections en Haïti ensemble entre des déclarations Nenel Kassi. Situation difficile côté ne pas ca vivre. Et c'est dans condition ça n'entendez monsieur Ariel a parlé des élections. Quelle élection? Élection piqué collé. Élection pour kembe PIA dans ça lié là faire élection pour PHTK. Faire élection pour mettre une marionnette que blanc a utilisé contre Haïti. Nous voulons élection pour gagner des véritables dirigeants qui sont là-dedans, qui ne peuvent pas aller à blanc, qui ne peuvent négocier à blanc. Pour défendre l'intérêt Haïti. Même les blancs défendent l'intérêt, nous comprenons ça. Mais nous pas ouais élection là. Et ça fait nous s'allier à NMH. Qui fait une sortie, qui ne peut pas même attendre. Ça veut dire, pendant qu'il y a des gens qui ont accoupé, qui ont des gens qui ont fait approbation, pendant qu'il y a des gens et qui jetait toute dignité, tout respect,
pour y aller entrer dans piquer collé avec Ariel, mais il y a des monde dans pays à tout qui gagne pour craser. Moi salue monde ANMH. Et me salue tout l'autre secteur qui comprennent que jodi a Ariel pas rempli conditions pour organiser bonne élection. Et quelle que soit élection Ariel a fait là, la prend un monde qui bon côté lui mettre et crise a fait petit. Crise a pas gravé. Ça veut dire ANMH bien agi. Et n'a pas l'autre secteur autour pour nous position. Pendant n'a critiquer le secteur privé. Et qui t'a si un accord 21 décembre 2022, un accord pour parapluie sanction. Ça veut dire yo paix sanction, yo couri ancien accord. Je dis accord crasé dans le secteur privé à parler des accords. Tout le monde dressé un accord 21 décembre yo quitté dans le secteur privé à parler des accords. De qui accord la parler? Je dis à même secteur privé ça qui te met des jeunes qui crasent le pays, qui te mettent des matériels, qui crasent le pays, je m'a dit pour le monde qui a fait politique, ni jeunes, ni matériels, pas de politiciens. C'est le secteur privé qui a râlé, qui mette au vin crasé le pays, qui mette le pays dans le là. Et c'est même le secteur privé qui a rangé le corps là pour faire une élection qui est collée. Mais le peuple haïtien n'a pas pris ça dans la main. L'autre fois encore, il faut dire tout le monde. Et qu'elle prend note que l'accord 21 décembre 2022 a crasé. Voilà, mesdames et messieurs, nous sortons des déclarations anciens sénateurs Nipla, Nenel Kassi, sur la question des élections en Haïti. Donc, c'est une situation qui est assez compliquée. Là, nous connaissons un moment SDP lui-même, l'IFON en deux. Quand on est dans le parti, il y a Marjorie Michel et André Michel qui fait partie du plein pouvoir en Haïti. Et dans l'autre parti, nous avons Didier Benel, nous avons Nenel Kassi. Ensemble avec l'autre, mesdames et messieurs, qui décide en quelque sorte changer nos secteurs démocratiques et populaires. Dans la prochaine sortie rubrique, nous avons gagné pour nous porter non ça pour nous. Nouveau non ça qui prend gagner. Kounye là, c'est qui réaction que André Michel avec Marjorie Michel, yo pral gagner. Est-ce que SDP Payo a toujours été vivant ou du moins il a fait partie de nouvelles cellules ça que Nenel Kassi ensemble avec l'autre compatriote yo pral mettre sous pied. J'en ai annoncé nous déjà. Puis devant, mesdames et messieurs, nous gagnons Jean-Victor Généus. Jean-Victor Généus, qui est ministre Affaires étrangères en la pays d'Haïti, qui a participé à une réunion hier, mercredi 26 avril 2023, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, côté pays d'Haïti lui-même, il fait partie. Deux conseils ici là. Encore une fois, Jean-Victor Généus a demandé communauté internationale là pour capable voyager sous situation pays d'Haïti ensemble entre des déclarations. Des Nations Unies pour sortir de cette zone de turbulence. En sa qualité de membre de l'ONU, Haïti sollicite l'accompagnement dont elle a grandement besoin. Les promesses et annonces de coopération de nos principaux partenaires sont bien accueillies par le gouvernement et le peuple haïtien qui attendent leur concrétisation. Mais, aussi importantes qu'elles soient, elles ne suffisent pas à répondre à la réalité actuelle. C'est pour moi l'occasion de saluer la détermination de la police nationale d'Haïti, le dévouement et le courage de nos braves agents qui affrontent chaque jour les gangs armés sans répit, au péril de leur vie, malgré les moyens limités dont ils disposent. Dans ce contexte, je renouvelle la demande du Premier ministre, Son Excellence Dr. Ariel Henry, dans la correspondance officielle du 7 octobre 2022 adressée au secrétaire général et acheminée au Conseil de sécurité. Monsieur le Président, dois-je rappeler qu'historiquement, le principe de la solidarité internationale se trouve au cœur de la politique étrangère d'Haïti depuis sa création? En effet, en maintes occasions, Haïti a toujours répondu aux appels d'aide des peuples frères, que ce soit en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique et en Europe, dans leur légitime combat pour l'autodétermination et l'émancipation politique. L'emploi de la force comme première étape est indispensable pour vaincre les gangs, rétablir l'ordre et créer un environnement propice au bon fonctionnement de l'État. Le gouvernement est toutefois conscient que l'utilisation de la violence légitime à elle seule ne saurait être la solution définitive pour résoudre le problème. Le développement socio-économique doit être pris en compte
pour s'attaquer durablement à l'extrême pauvreté, source de tous les maux. Il est clairement établi une corrélation entre le sous-développement, l'extrême pauvreté et le banditisme. Les inégalités sociales et la très mauvaise répartition de la richesse nationale ont creusé un écart énorme entre les masses populaires nécessiteuses et la minorité possédante, 5%, qui contrôle 90% des richesses du pays. L'extrême pauvreté accentue le chômage des jeunes, marginalise ceux des quartiers pauvres qui se laissent entraîner facilement dans la délinquance et la criminalité. Cette catégorie constitue un terreau fertile de recrutement pour les gangs armés qui pisaient en rôle aujourd'hui des enfants soldats. Selon les estimations, 80% de la zone métropolitaine est sous contrôle ou influence des groupes armés. Ces individus qui terrorisent la population vivent souvent dans des quartiers défavorisés où la pauvreté est à un niveau extrême. Certains acteurs politiques et économiques encouragent et financent également les activités criminelles des gangs pour contrôler et garder leurs intérêts mesquins. Ils s'adonnent à toutes sortes d'activités illicites, crimes organisés, trafic de drogue, d'armes et d'organes. Il s'agit d'un lourd héritage résultant d'un ensemble complexe de facteurs socio-économiques et politiques auxquels s'ajoutent les épidémies et les catastrophes naturelles. Il en résulte une contraction de l'économie nationale au cours des 5 dernières années avec un taux de croissance négatif. J'interviens aujourd'hui dans un contexte où la sécurité en Haïti s'est considérablement détériorée durant les 48 dernières heures. OK. Là, nous sommes de Jean-Victor Généus, qui est ministre des Affaires étrangères. Nous voyons que le type, actuellement, là, il y a ça, nous capables des trous de mémoire. Même si que Baral en devant, il n'est pas vraiment capable de rappeler de qui ça lui saute. Donc, c'est genre de monde qui a dirigé le pays d'Haïti. Et des troubles de violence qui gagnent dans 48 dernières heures dans le pays d'Haïti. Troubles de violence. Est-ce que Kounia là nous capable parler de violence? Les peuples là lui-même lui décider pour lui capable prendre destin en main. Est-ce que Kounia là nous capable parler de violence en Haïti? Laissez peuple là qui dit il pas décider mourir en bas mes bandits encore parce que je me rappelle assez bien voir dans mois juin 2022 et bien Jean-Victor Généus, les peuples là tap agonisé, les peuples là tap mourir en bas mes bandits. Le bandit de Kembe Central, Vareux, pas de gaz qui est capable de circuler correctement pour le peuple à vivre. Me rappelle, Jean-Victor Généus Rivé, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, lui déclarait que tout va bien en Haïti, tout est sous contrôle, alors que le peuple a mouru. Je ne dis pas là. Le même peuple ça décide de prendre responsabilité, le même peuple ça décide de dire qu'il ne peut pas mourir en bas mes bandits encore. On parle désormais de violence. Wow! Intéressant! C'est vraiment intéressant! Donc, mesdames et messieurs, c'était déclaration ministre Affaires étrangères pays d'Haïti à Jean-Victor Généus. Pas bon côté parle, Roberto Alvarez, mesdames et messieurs, qui c'est ministre Affaires étrangères, République dominicaine, a exprimé inquiétude sous la montée de l'insécurité en Haïti, côté situation lui-même, la vie n'est plus compliquée. De jour en jour ensemble, entre des déclarations, Roberto Alvarez. Aujourd'hui, une fois encore, nous sommes ici pour aborder la tragédie que vit le peuple haïtien qui met en péril l'intégrité physique et émotionnelle de celui-ci. Haïti est touché, mais par voie de conséquence, mon pays, la République dominicaine, l'est aussi. La situation est catastrophique et dramatique. Or, eh bien, ceux qui tirent les ficelles dans le monde n'ont pas encore pris la mesure de la gravité. J'aimerais justement reprendre à mon compte l'appel lancé par le pape François qui nous invitait à regarder avec attention la situation en Haïti
et qui appelait les acteurs politiques et la communauté internationale à trouver une solution véritable et définitive pour mettre un terme au fléau que vit le peuple haïtien. Monsieur le Président, je suis sûre que notre appel n'est pas resté lettre morte. En revanche, la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi nous mettons tant de temps pour répondre aux appels que nous lance Haïti. D'autres initiatives ont été prises pour aider les pays en situation de crise. La communauté internationale a apporté une aide beaucoup plus rapidement, sans en passer par autant de démarches. Aujourd'hui, eh bien, je me demande si, comme certains aiment à le dire, les pays sont aidés en fonction d'une géométrie variable, disons-le comme ça. Voilà, merci. Et vous pensez que la République dominicaine, après déclaration ça, nous remarquons que ministre Affaires étrangères République dominicaine non comprendre situation pays d'Haïti a puis bien passé ministre Affaires étrangères pays d'Haïti a en soi. Nous remarquons que ministre Affaires étrangères République dominicaine voulait aider pays d'Haïti plus que pays d'Haïti voulait aider propre tête pas. En seulement quelques mots, mesdames et messieurs, Roberto Alvarez décrit situation pays d'Haïti et critique la communauté internationale là, qui convoie secours dans l'autre pays beaucoup plus rapidement que pays d'Haïti. Nous avons plus qu'un an depuis nous chita sous dossier pays d'Haïti. C'est ti paroli sous ti paroli. Kounya là, si nous avons une intervention militaire, connaît avons une intervention militaire. Si ce n'est pas l'intervention militaire, ça que le peuple a lui-même, il n'est pas cautionné, il n'est pas besoin. Si c'est une formation, si c'est un moyen matériel que la police nationale d'Haïti a, Kounya n'a pas eu matériel à faire pour être capable de gérer la situation. Puisque selon déclaration, Maria Isabel Salvador, qui est le nouvel chef BINU, il y a seulement 3600 policiers dans le pays d'Haïti. Pour tout yon pays en général, donc yon pas en quantité à faire pour gérer la situation pays. Donc, il est vraiment important pour l'organisation internationale, l'organisation des Nations Unies, capable de prendre responsabilité, pressé dans le dossier pays d'Haïti. Dans le fond, coup de pied dans Miragoane, spécifiquement dans la section communale Saint-Michel, en dans une zone qui porte nom Abraham, mesdames et messieurs, côté à cause du conflit terrien, arrivé 6 personnes qui arrivaient perdre la vie, dont là-dedans, yo policiers ensemble avec ancien greffier en chef, paquet, première instance, Miragoane, monsieur Abraham, ensemble. Mesdames et messieurs, entendez qui j'en situation lui-même l'étape déroulée. Effectivement, là, nous avons Abraham, 4e section et Saint-Michel, commune Miragoane. Donc, suite avec un appentage qui semblait être une fête Boissia, qui était gagné la dernière, avocat brave, Red Games, avec soi-disant maître terrain. Donc, il y a un certain de maître Harrison Sinclair, qui c'est mon zone qui était fait opposition en face. Et il y a un civil dans l'équipe qui était armé, qui est le Didi. Donc, selon sa population, on dit, donc Didi tiré Harrison. Et là, il y a le mieux informé de ça. Et moi, courir rentrer ici, là. Et moi, viens, ouais, si je suis sauvé, vie, monsieur. Moi, je même arrivé côté action. Parce que je suis sur moto et sorti avec lui. Et puis, je prends lui, je cours avec lui l'hôpital de Fondeneg. Et de là étant, il est arrivé, bon, monsieur Bagan la vie sauf. Combien de gens qui mourent dans Zek? Jusqu'à présent, je ne peux pas dire combien, parce que je suis arrivé là en retard, je suis un juge de paix qui a fait constat, la police également. Donc, même mon rapport que je ne peux pas gagner, donc, sur ça passé, donc, qui s'est passé. Des autres qui ont fait. Comment on comprend que. On monte dans zone, un bandit sorti l'autre côté, on vient tuer lui. Pour population, on va avoir une réaction contraire par rapport avec l'action posée. Donc, moi, je pense que c'est inacceptable que la police pas qu'à choisir venir pour le mettre du feu dans malheureusement. Et d'ailleurs, le plus souvent, on a besoin d'affaires mounio boulées, c'est pas même eux-mêmes qui causent et action posée.
et parfois les peuples là sous émotion, pas grand-elle pas fait. Et déjà nous ça bondit à promettre à travers et tout le pays. Donc c'est normal si vous venez au tuer un monde dans la zone pour avoir une réaction qui est contraire avec l'action que vous posez. Moi c'est Georges Toussaint Weber, juge suppléant tribunal de paix de Saint-Michel du Sud. Donc pendant que j'étais au matin, la police t'a informé moi qu'il y a eu un accident. Bon, on dit l'accident. Donc c'est Abraham. Donc la police passe et prend moi, je me déplace à greffier moi. Alors là nous arrivons vraiment, nous avons des gars. Nous avons plusieurs personnes à terre, il y a eu un mari, un blessé à manchette, il y a eu un proche. Et parmi lesquels, nous avons Jackie Edmond qui sorti païen, M. Mouri, qui a semblé faire lui qui était propriétaire, qui était déplacé pour faire la pantalon là. Nous avons Jean-François France qui dit dit, donc son policier, donc grade lui semblé faire inspecteur. Nous avons Arismon Saint-Clair qui est un avocat, qui est un Abraham. Nous avons Jonel Deriva qui est un Pumel. Nous avons Jean-Smith Chéri qui est un apanteur. Et puis nous avons Bertino Ilerfin, Abraham. Nous avons encore trois personnes qui sont blessés. Donc nous avons Bernadel Jérôme, monsieur blessé. Nous avons Chéri Jilton qui était là tout, pas blessé lui-même. Donc nous avons un monsieur pour. Et puis nous gagnons Lovensky mon désir. Donc tout le monde ça yo blessé. Donc nous sommes censés grave, donc nous sommes censés voyer à l'hôpital. Donc nous pas qu'on est à la suite qui ça qui est capable de faire. Mais problème là c'est que son apprentissage n'est que le fait. Mais n'est que pour arriver sur le terrain, t'as semblé à mi-chemin, t'as semblé gonti altercation entre policiers avec métallisme. Bon, t'as semblé, bah, qu'on est, bon, peut-être, j'ai mon dit, t'as semblé, Arismon, t'es frappé, policier a manqué tombé, puis là, les armes, bon, bah, est-ce que c'est, comment, est-ce que c'est chappé, gagné chappé, ou bien, est-ce que c'est tiré? Mais de toute façon, donc, c'était humain, n'est-ce pas, pour corriger sur lieu, pour y aller le faire, à partage là. Mais bon, et Rachel, parce que, j'en ai 20 millions, bon, c'est Rachel. Bon, mais quel couche, Rachel? L'avocat prend 7 cartouches. Il prend trois bonnes jambes gauches, il prend une bonne fesse là, et puis il prend une bonne côte là. Bon, il dit, d'après le public là, il dit que c'est la police qui a tiré. Bon, moi-même, tout suis capable de dire que en PK a brûlé, même pas de est-ce que c'est la population, ou bien est-ce que. Bon, pas de qui est-ce que nous différons. En total, il y a 6 personnes qui mourent. Voilà, mesdames et messieurs, 6 personnes qui mourent, 3 autres qui arrivaient blessés dans un conflit terrien. Dans la 4e section communale, Saint-Michel, dans la zone Miragouane. Ça qui prouve exactement que le commissaire Jean-Ernest Muscadet, il n'a pas contrôlé toute ville Miragouane. Jean lui-même, l'icône a plaidé fait connaître ça avant de gagner un bandit. Jean côté, il a couru pour être capable de gérer la situation. C'est ça que fait la population, ensemble avec les policiers. Tu as supposé mettre mes ensemble. Afin, puis yon capable de collaborer ensemble avec le commissaire, puis yon rendre le travail là plus facile. Et c'est là, nous mettons le bouton dans la rubrique nous pour aujourd'hui. Nous rendez-vous pour la prochaine sortie. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine. C'était avec vous, Fabula Jean-Charles.